Quand on gagne quorum, on va continuer notre travail. Yes, honorable Sébastien Pillet. Merci, merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pareil, l'Assemblée va rappeler, après que nous avant que nous t'y break, nous t'y gagne, ça, bonne proposition, l'amendement, et pour bénéfice public dehors, nous t'y discuter, et l'Assemblée, elle t'y parer, le tout les côtés pour nous, pour rendre ça bon l'amendement, tu n'as pas eu aucun problème, mais ça qui m'a aussi remarqué que ça bon l'amendement, c'est qu'il promène nous pour faire bon, les autres l'amendement dans la loi qui nous fait passer. Sur les faits qui nous parle fait encore l'amendement dans la loi qui nous fait passer, qui nous n'a pas salé tant pour le moment là, avec sa configuration Sabio Act, FSC y avant an, malgré qu'ils sont va content, mais ils sont capables d'espérer pour qu'ils nous fassent sel en main tout ça bon package l'amendement à un moment plus tard, pour qu'il nous paraît à travailler l'Assemblée. So, juste pour faire, sinon, le record, nous avons causé, nous avons gagné l'agrément pour, pas causer, mais si on a une envie pour passer à l'amendement là par l'Assemblée, le gouvernement aussi, si on a une demande, mais nous aussi consulter les autres pour montrer les autres qu'il y en a une nécessité, et le ministre signale nous qui à ce moment-là, nous pas pour qu'on prenne encore l'amendement de BioAct qui pour manger dans les temps qui déjà nous n'a pas, qui est limité. So, nous allons rester le sabbat de l'amendement que nous avons proposé pour la loi aujourd'hui. Et à un moment plus tard, nous allons mettre les autres amendements qui sont nécessaires. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable Pillet. Bon, est-ce que nous prenons un vote là déjà, le slide amendement, simple amendement qui tient là? Non, pas encore. OK, nous allons prendre un vote. Aucun commentaire encore là? Ça veut dire que l'amendement que tu peux proposer, bon matin que tu peux move, il y a un rôle, pending un autre moment, qui s'abonnement l'amendement y va venir. Yes, honorable Mkalaon. Mr. Chairman, tu as dit ce qu'on t'a dit avec lui, après tout ça, ben, insulter nous, ni jerk, l'autre affaire. Tu as bon, si ça va, si ça va un commentaire, qui ne fait, bon matin, parce que là, nous peut retourner, lui-même, lui, parce que tu as acquis nous pas lui. Ni joke, ainsi de suite. Comme si, non, la non. Présence lui-même qui dit Péretti, tout en bonne affaire, mais tout ça là ensemble. Oui, Anou, non. Ok, mon sabon commentaire, pas de faire on mic, il pas dans le record, que faut faire après. Anou Bouzé, nous avons un business devant nous encore. Si on va prendre un vote, le bill. Order. Order. Merci. Nous allons procéder. Nous allons prendre un vote au bill number 9 of 2020 qui y en a un simple amendment qui est un move par l'honorable Georges et finit secondé. Nous allons demander à tous les membres qui en faveur limited partnership amendment bill. Hein? Aucun membre qui compte. Madame Deputy Clark. Merci, Monsieur Chair. Mon record 18 membres qui votent en faveur et personne compte. Merci. Merci, Madame Deputy Clark. Ça veut dire que cet amendement est approuvé par l'Assemblée nationale. Nous avons le dernier bill, bill number 10 of 2020, Securities Amendment Bill. Honorable Bernard Georges. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, on a une proposition pour un petit simple amendment dans clause D. A, the definition recognized jurisdiction, it reads, means a jurisdiction in which a regulatory authority for securities market. I move that it says either for a securities market or for securities markets in the plural. And I would tend to the second. Regulatory authority for securities markets is an ordinary member. Thank you, Honorable George. Any other comments? No, Mr. Rao? I agree. Thank you. Okay, so it will read for securities markets or a securities market? A securities market, okay. Yes, Honorable Afif? Just pour seconder. Monsieur Chairman. Merci, Honorable Afif. Bon, amendement est simple, il est secondé.
On va demander tout membre qui en faveur. Aucun membre qui compte. Madame Députée Clark. Merci, M. Chair. 19 membres, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci, Madame Députée Clark. Bon, nous avons, quand nous finissons ce comité. No. Yes, je vais demander ça pour mouvement. Et je vais demander une motion pour third reading. Honorable commandement. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on va order 71-1, le standing order, on remove qui the Anti-Corruption Amendment Bill 2020, Bill number 4 of 2020, as amended, digan et dit en troisième fois. Merci. Merci, honorable. Yes, honorable Enista. Motion second, Mr. Speaker. Merci, honorable Enista. Honorable commandement. On va même order 71-1, on remove qui Financial Institution Amendment Bill 2020, Bill number 5 of 2020, il y a dit en troisième fois. Merci, honorable commandement. Honorable Enista. Motion second, Mr. Speaker. Merci, honorable Enista. Qui Financial Services Authority Amendment Bill 2020, Bill number 6 of 2020, il y a dit en troisième fois. Merci, honorable commandement. Yes, honorable Enista. Motion secondée. Merci, honorable commandement. Under order 71-1, Molly move key foundations amendment bill 2020, bill number 7 of 2020, as amended, il y a dit la troisième fois. Merci. Merci, honorable commandement. Honorable Enista. Motion secondée, Mr. Speaker. Merci, honorable commandement. That the International Business Companies Amendment Bill 2020, Bill number 8 of 2020, as amended, il y a dit une troisième fois. Merci, honorable Benissa. Motion secondée, Mr. Speaker. Merci, honorable Benissa. Honorable du commandement. Under the same order, Mr. Speaker, Limited Partnerships Amendment Bill 2020, Bill number 9 of 2020, as amended, il y a dit une troisième fois. Merci, honorable Benissa. Motion secondée. Merci, honorable du commandement. And lastly, Mr. Speaker, sir, under the same order 71-1, Molly move key Securities Amendment Bill 2020, Bill number 10 of 2020, as amended, il y a un troisième point. Merci. Merci, honorable commandement. Yes, honorable ministre. Motion secondée. Merci, honorable ministre. Bon, nous pouvons prendre un vote, la motion for third reading. Nous pouvons prendre un vote, le SAC et DVD. Motion for third reading, Anti-Corruption Amendment Bill 2020. Tout le monde qui en faveur? Aucun membre qui compte? Motion for third reading, Financial Institutions Amendment Bill 2020. Tout le monde qui en faveur? Aucun membre qui compte? Donc, on manque un petit bout de mots à prier. Madame députée Clark, résultat. The first one and second one, yes. Merci, M. Speaker. Pour premier, mon record, 23 membres qui votent en faveur et personne contre. Et deuxième, 21 membres qui votent en faveur et personne contre. Merci. Merci. Pour troisième, Bill number 6, Financial Services Authority Amendment Bill 2020, tout membre qui en faveur. Aucun membre qui compte. Madame députée Clark. Merci, M. Speaker. 23 membres, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Bill number 7, Foundations Amendment Bill 2020. Tout membre qui en faveur. Aucun membre qui compte. Madame députée Clark. Merci, M. Speaker. 23 membres encore, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci, Madame Députée Clark. Bill number 8, International Business Companies Amendment Bill 2020. Tout membre qui en faveur. Aucun membre qui compte. Madame Députée Clark. Merci, M. Speaker. 23 membres, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci. Bill number 9, Limited Partnerships Amendment Bill 2020. Tout membre qui en faveur. Au
aucun membre qui compte. Madame la députée Clark. Merci, Monsieur le Speaker. 23 membres encore, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci. Et dernier, Bill No. 10, Securities Amendment Bill 2020. Tout membre en faveur. Aucun membre qui compte. Madame la députée Clark. Merci, Monsieur le Speaker. 23 membres, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci, Madame la députée Clark. Bon, nous pouvons formal third reading. Madame la députée Clark, on va parler bill par bill. Merci, Monsieur le Speaker. Pour bill number 4, this act may be cited as the Anti-Corruption Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill No. 5, this act may be cited as the Financial Institutions Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill No. 6, this act may be cited as the Financial Services Authority Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill No. 7, this act may be cited as the Foundations Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill No. 8, this act may be cited as the International Business Companies Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill 9, this act may be cited as the Limited Partnerships Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Bill No. 10, this act may be cited as the Securities Amendment Act 2020 and shall come into operation on such date as the minister responsible for finance may appoint by notice published in the Gazette. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Madame la députée Clark. Ça veut dire que tous les 7 bills qui sont présentés avec l'Assemblée bon matin, qui ont été débattus là, amendés, ils ont été approuvés par l'Assemblée nationale. Bon. Avec ça, moi, je suis content de remercier le ministre avec tous ces bons officiers qui viennent avec nous bon matin pour présenter sa bonne bille, pour nous capables de débattre là. Et le ministre, tu mentionnes sa bille pour faire avec Central Bank, avec Financial Institutions. Petit m'a donné un dernier mot. Any idea pour former l'Assemblée, quand nous capables de gagner, encore pour nous regarder si nous pouvons besoin de meet, either après-midi ou bien demain matin ou bien là nous gagner. Nous connaissons une certaine urgence. Le ministre peut-être donne-nous son status. Merci, M. le Speaker, et merci pour passer à cette la loi. Moi, je n'ai pas aucun update. L'étant moi sorti là, moi, va vérifier, moi, prendre contact avec le bureau, moi, les sous-connais. M. le Speaker, merci. Merci, ministre. Bon, moi, encore une fois, je suis content de remercier avec vos délégations et mon souhait de bonne continuation. Je connais, travaille beaucoup, travaille lourd aux autres, mais encore une fois, bonne chance et bonne continuation, ministre. Thank you. Yes, Honorable Callahan. C'est parce que c'est ça, mon ministre, parce que la semaine prochaine, ça fait bidze là. Quand est-ce que nous pouvons capables de gagner un peu de détails pour nous capables de commencer à faire nos homework? Parce que, mon quoi, il y a un effet qui. Le gouvernement a envie de nous faire un travail. Mais nous, nous n'avons pas de rubber stamp. Comme si je vais demander quand est-ce qu'ils sont capables de gagner certains détails, le côté des autres peut couper, le côté des autres peut mettre plus, qui m'a dit quelque chose peut dérouler pour que exactement 6 points supplementaires qui la forme pour venir pour nous capables de préparer nous. Parce que après ça, nous pas envie de passer comme quoi, Niger, ainsi de suite, ça va nous faire comme ça. Ok. Merci. So, merci, honorable ministre. Merci, Monsieur le Speaker. Speaker, nous dans une période courte pour donner une date fixe, vraiment très difficile, mais nous peut travailler arrache-pied, jour et nuit,
mon senti quelquefois dans Mandoredi, quelquefois nous capables de faire une première communication. So, don't hold me to task, mais seulement nous pour faire six autres gagnants pour nous pouvoir avancer. Merci. Merci, ministre. Okay. Bon, avec ça, m'avant du merci, ministre, et m'avant esquizo avec une délégation from l'Assemblée nationale. Merci. Bon, nous prenons dernier business sur nos order paper. Et ça, c'est une motion qui peut gagner, amener, qui peut gagner, move par leader government business pour une ratification, une convention. Je vais donner la parole avec Honorable Charles de Comarmo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pursuant to order to Article 64.4 of the Constitution, I move that this assembly resolves to ratify the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System. Mr. Speaker, to colleagues honorables et tout le monde qui a l'écoute, bonjour encore une fois et merci. Ça, convention qui devant nous pour nous ratifier li, son contenu est simple, il pas ni compliqué. Brefement, nous avons dit que CCL forme partie de l'Organisation mondiale pour la douane, WCO, World Custom Organization, depuis le 25 juillet l'année 2000. Et l'organisation, je voulais dire, ça, l'Organisation mondiale pour la douane, c'est une organisation indépendant, intergouvernemental, qui son mission, c'est pour augmenter l'efficacité et l'effectivité de l'administration de la douane dans mon pays. World Custom Organization, qui nous peut dire là, c'est l'organisation mondiale pour la douane, est aussi responsable pour l'administration convention système code harmonisé. Coding system pour description commodité, ça qu'on appelle HS Code, ici c'est celle, qui est un outil qui a développé sous les pour classifier et décrire toute commodité pour plusieurs raisons, plusieurs billes. Ça y a inclus aussi facilitation commerce, collection statistique et application taxes, l'eau commodité. CCL peut servir ses outils, sa coding system là, ses outils essentiels, par nous dit depuis 1988. Et là, une voie nécessaire pour faire partie de sa convention. Sa harmonized system là, HS Code, qui nous peut dire, il continuellement gagne renouvelé pour lui gagne adapté avec le bon développement qui arrivait dans le monde commerce. Comment nouvelles technologies, changement d'un profil commerce, etc. Et une nouvelle version, il gagne publiée tous les 5 ans pour prendre compte sa bande développement. Il y en a plusieurs avantages pour joindre sa convention, M. le Speaker. Premièrement, à nous guette de l'autre côté l'assistance technique. Par forme partie de sa convention, nous pour capables de gagner accès avec l'assistance technique sortie côté secrétariat. World Custom Organization pour nous faire bon changement nécessaire dans nous la loi, la douane, les arrivées tous les 5 ans, y arriver et est inapplicable. Deuxièmement, l'assistance technique est capable aussi quand il donne dans situation contenant certaines confusions à la façon pour classifier certains produits, quand un deuxième opinion professionnelle est nécessaire. Ça, ici, tout apparent, le temps est produit nouveau, le marché, ou soit son caractéristique, il permet de gagner classifié en bas plusieurs différents codes. Ou bien, aussi, d'un cas, un produit qui devient un peu absolu, qui est présent, obsolète, plutôt, qui
présent certains pays, il est retiré dit le code et ou décider qui vous faire avec tout ça là, il faut pas le côté un deuxième l'opinion professionnelle par l'Organisation mondiale pour la douane. Deuxièmement, habilité pour influence et propose changement dans classification. Il est important pour noter que changement de classification est capable aussi éventuellement affecter la façon qui certains produits y gagnent taxé. Et spécialement, bon produit technologie qui évolue si tant rapidement. Vu que ça, HHS Code, il gagne servi, ça a mon système plutôt, il gagne servi pour codifier bon commitment tarif fait par l'Organisation mondiale pour le commerce et aussi pour calculer l'évolution statistique commerciale. Monsieur le Speaker, à part de sa bonne changement dans bon produit, surtout bon produit technologique, changement dans classification et il aussi gagne proposé le niveau commerce dans certains produits. Il descend 6 ans dans certains produits qui descendent 6 ans son prix au niveau mondial, par exemple, qui descendent pas en bas 100 000 $. L'organisation là-bas, il recommande qu'il n'est pas nécessaire pour classifier les individuellement. Mais ça a affecté un petit pays, Paris CCL, et pays qui est moins développé. Qui même si les autres volumes commerce sont plus bas comparé avec les restants du monde, il va aller nécessaire pour garder certains bonnes codes pour faciliter son commerce interrégional, par exemple. Et ça, il est facilement pour nous y appliquer. Pas une sa convention, M. le Speaker, nous gagnons sa habilité pour voter et aussi veto n'importe proposition, changement, classification qui est capable d'affecter nous. Nous aussi gagnons droit pour proposer l'amendement, demander certaines questions techniques, donner nous l'opinion classification, mettre certaines réservations aussi, les propositions qui demandent des autres membres y faire dans sa organisation. Il est important pour noter que pas le secrétariat WCO, World Customs Organization, qui peut encourager nous comme un pays pour joindre sa convention, mais aussi l'Union africaine, qui peut encourager tous les bon membres pour faire pareil. Ça y est avec B, qui l'Afrique est capable aussi d'amener son influence dans les outils qui affectent le commerce régional et mondial. Mais qui, en ce moment, son participation de l'Afrique, on l'a dit là, est limitée. Et alors, il y a un call from the African, l'Union africaine, African Union. Avec ça, M. le Speaker, je demande nous, l'Assemblée, pour donner notre support à travers notre vote, pour tomber d'accord pour nous ratifier sa convention. Sa convention qui est devant nous, the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System. Mr. Speaker, sir, I beg to move. Merci, Honorable Kumamo. Quel membre qui seconde? Yes, Honorable Audrey Vidot. Yes, Monsieur Speaker, mon seconde. Merci. Merci, Honorable Vidot. Bon, débat ouvert aux conventions qui sont présentées pour ratification devant l'Assemblée. The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System. Aucun membre qui voulait intervenir? Yes, Honorable Pillet. Merci. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon bien content que nous avons bientôt dû un nouveau CISE devant l'Assemblée et qui ne va pas gagner acquise. Je vais servir un thème Niger. Oh ça, malgré ça qu'il a fait avec toute bonne intention pour montrer qu'à ce moment-là, mon resté comité tout ça qu'ils m'ont dit tout le temps. Et ça, c'est qui comment l'Assemblée, nous besoin de travailler ensemble, pour une période difficile qui nous paye pas passer là-dedans, pareil que les autres pays passent là-dedans. Mon cas comprend, il est un peu difficile pour certains du monde. Mais mon... On aura pilé, il y en a la parole. On aura pilé, continuez.
Merci, merci, Mr. Speaker. Merci, Mr. Speaker. Order. Mon besoin exprimer, Mr. Speaker, qui mon cas comprend aussi, qui est un peu difficile pour nos bonnes collègues, qui, avec sa social distancing, qui nous besoin faire, nous aurons un peu dit, mon ça saisit, mais d'autres, d'une façon un petit peu confortable. Il y a une mesure que l'Assemblée nous besoin prendre pour montrer qui nous tous nous besoin faire nos efforts regarding sa situation. Raison mon choisi pour commencer comme ça, à cause qu'on est parfois, nous regardons sa bonne convention, nous quoi, pour dire, il n'a pas aucune relevance avec la situation qui nous peut passer là-dedans. Mais essentiellement, tout sa bonne transaction qui peut arriver aujourd'hui, côté bonne goutte, si sorti un bord, il y a l'un l'autre, tout ça là, il passe en travers, justement, bonne provision, qui bonne convention commune créée. Et pour un pays qui n'a pas bonne provision, il y a une bonne force majeure, il y a une bonne state of emergency, il y a une bonne mesure. Sous les qui besoin qu'il force pour là où cette transaction arrive qui nous censé qu'il est fait qu'il nous a instructé un framework qui déjà existait nous pas voir nous dans la bonne situation aujourd'hui et il est important qui parler des affaires gouvernement dit nous prend conscience qui comme à l'assemblée nous n'a pas beaucoup de temps pour nous dire avec bande cisée qui devant nous et mon quoi ça basé le nouveau de paper il risqué mon papier pour parler preempt the authority of the chair mais risque dernier item qui nous en a aujourd'hui nous pas connaître nous pendant les autres et ça qui m'ont rappelé l'assemblée c'est qui les nous peut passer sa convention ou bien nous peut faire ça qui leader government business engine nous fait nous peut justement préparer nous est capable 3 mois 4 mois 6 mois and down the line quand nous parler si on a ban quelque chose qui besoin changer nous fini parler everything that we do from now on comme l'assemblée il besoin soit pour préparer nous pour là ou soit pour préparer nous pour les futurs et message que nous collectivement nous peut lancer aujourd'hui par l'effet qui nous peut prendre ça item qui pas paraît en intelligence là pour le moment mais capable en intelligence down the line qui ça item il vient il fait qui nous, comme à l'Assemblée, nous pouvons montrer les petits lois aussi que si nous avons notre travail, la vie qui continue, nous continuons à faire notre travail et que le pays a besoin de continuer à bouger, a besoin de continuer à fonctionner. Et ça qui est important, Mr. Speaker, merci pour donner la parole. Moi, apprécie mon gain la parole, les autres membres ont gagné la parole, je suis à cause que nous allons plus devant. En conclusion, Mr. Speaker, conclusion, Mr. Speaker. Quand Mr. Speaker, parfois, dans tout moment difficile, ou à quelque chose qui est capable, cheer up your spirits un petit peu. Oui. OK. Continue, non? Oui, Mr. Speaker. Mon collègue, aujourd'hui, n'a pas un microphone devant lui, mais moi, aide-lui. Il peut dire ni jerk, ou justement ni jerk, à cause. Il est important in the coming days. Qui m'a dit l'Assemblée continue à rester unie pour nous capables de passer bonne mesure que le gouvernement a besoin de passer. Ça est important. Je vais continuer, Mr. Speaker. On va faire une conclusion, Noam. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, en conclusion. The harmonized HS code est un élément important là-dedans qui est relevant pour nous CCL. The HS code il s'accorde qui pareil dit le harmonized system qui guide toute bonne transaction custom et WCA World Custom Organization. CCL malgré qu'il nous en a adhésion avec ça l'organisation, il est important qu'il nous continue à faire ci, qu'il nous maintienne bon changement qui peut venir. Sa convention tu peux venir avant. Si tu n'as pas COVID-19, tu peux venir bien avant. Mais là il vient devant nous l'assemblée, nous besoin ratifier, nous besoin bouger. Il passe sa convention que nous besoin ratifier pour probablement encore une convention que nous besoin ratifier et que l'Assemblée besoin prononcer son écolo là. Nous besoin faire tout ça là de façon expédiente à cause risque nous si nous dans situation qu'on parle docteur Gédéon et dit nous nous peut préparer nous pour lockdown l'Assemblée probablement pas pour qu'à meet unless nous faire bon meeting quand il est nécessaire. So avec ça Mr. Speaker, moi demande l'Assemblée en entier pour approuver motion leaders affaires gouvernement pour qu'il nous cabouse devant and then pour nous prépare-nous justement pour nous regarder ce qui peut venir pour next week. Merci, Mr. Speaker. Merci.
Merci, honorable Pilet. Aucun des autres membres doit intervenir. N'a pas non, y a de standing orders ou bien de bonnes rules qui dit membres besoin intervenir. Okay? So, si nous n'avons pas. Si nous n'avons pas besoin pour intervenir. Oui. Honorable Afif. Merci, monsieur. Merci, monsieur Speaker. Monsieur Speaker, mon parle direct, là, à cause, nous avons ce qu'on appelle un harmonized commodity description and coding system. Il est très simple. Les customs, c'est ça. Il peut faire passer un bill ou peu importe un marchandise. Tout ça, bonne marchandise, besoin d'un code. Mais à cause de customs, il cause que les autres customs dans le monde. Parce que marchandise qui arrive, c'est ça. Soit d'un port, soit d'un port, il sortit d'un port ou bien d'un port un autre pays. Et souvent une fois, la douane, il besoin de cause que ça l'autre la douane pour dire vis-à-vis telle importation et pour autres faire référence à l'importation, autres faire un code, servir un code. Et par exemple, là, il peut faire une enquête, autres capable de dire, mais tel du monde, est-ce qu'il est capable de nous tout l'exportation sortie dans le pays pour venir dans le pays, tel item. Ou pas besoin de décrire ça item, vous juste donne son code, à travers votre système, à cause nous harmonise. Nous pouvons servir même code que vous faire un check dans votre système et de suite, vous gagnez toute l'information que vous pouvez roder à cause nous avons la même fréquence que vous. Les présents, ici dans ce cell, nous nous pouvons dire, mais donne-nous toute taxe qui nous amasse, le tel produit à cause du gouvernement, peut imaginer, passer une police taxe, disons, nous dit, nous pouvons dire, le tel produit. Et nous avons vu qui existait dans les autres pays. Nous avons le code pour les autres pays, et nous connaissons qui peut passer en termes de taxes qui appliquent le sabon produit dans les autres pays. C'est sa raison, nous harmonisons nos codes. Et il y en a une convention qui fait ça, tout pays tombe en bas là, et en bas sa convention, il y a dit où, qui manye, qui fréquence, par exemple, sa bonne customs pour zwen, pour zo dire, ok, ben c'est sel, nous n'a sa bonne importation, l'Angleterre, il n'a pas sa bonne à cause, quelquefois sa quantité qui entre, pas pareil pour nous, zo tombe d'accord, lequel bonne qui devrait mettre, lequel bonne devrait tirer, lequel bonne qui zo amalgame ensemble, et c'est ça, une convention, et nous nous performons partie, sa convention, nous peut signer, pour nous capables de mieux cause avec les autres autorités autour du monde. Mon papa n'a rien mal là-dedans, on est fait bien, et nous devons supporter tel coding system. Merci, monsieur. Merci. Merci, honorable Afif. Aucun des autres membres qui ont intervenu. Sinon, on va redonner la parole au honorable Charles de Koumamo pour son conclusion. Remarque. Honorable de Koumamo. Merci, monsieur. Merci, monsieur Speaker. Monsieur Speaker, mon remercie bon intervenant qui cause l'eau sa convention. Pourquoi, par exemple, dit au commencement, sa convention, sa ratification à la convention, il y a quelque chose de simple. Et sa convention lui-même, pour nous accéder avec lui, il n'est pas compliqué, il est simple pour nous et il est important qu'il cesse, il ne forme pas sa convention. Je crois que l'intervenant a aussi expliqué pour voir, pour dire qu'il n'y a pas de compliqué là-dedans. Il est important de faire ressortir, M. Speaker, qui connaît souvent une fois l'état nous ratifier pour nous joindre, forme pas une convention. Une bonne question importante qui a été demandée, qui est l'implication financière. Si CCL parle dépense l'argent, parle payer l'argent des années, ça n'a pas de problème qui nous fait passer là-dedans. So, il est important de donner sa garantie qu'il n'a pas l'implication financière pour CCL, joindre sa convention. Au contraire, nous gagnons une bonne assistance technique par Imondi et formation aussi pour nos bonnes membres, nos officiers costumes. Il est capable aussi de gagner certains supports là-dedans et. Si tout le temps il y a des choses, nous gagnons sa sens pour nous capables de gagner un compétent body qui donne nous notre point de vue, par exemple, et en même temps, il est bon pour nous, les officiers de costume,
et il y a fait réseau contre l'ouvrage bien aussi, et un PC qui est dans la bande. Et quand nous connaissons un petit sac du monde qui fait venir bonne marchandise, parfois, d'autres jouent que ça, Hitcher's Code, là, pour qu'on ait comme hier, pour avoir une taxe, avoir ici, avoir là-bas. Et en même temps, par nous dit qu'il y a un nouveau produit, ça aussi, il va aider pour nous capables, en un système harmonisé pour nous capables de dire que ça. Et l'autre point, peut-être, qui est bon pour moi, dans la conclusion, pour moi dire, c'est que les 27 jusqu'à le 31 mai, l'année passée, 2019, ban expert dans WCO, World Custom Organization, qui vient ici, c'est celle qui fait l'étude, pour voir si nos systèmes qui nous peuvent servir, s'il n'y a pas aucune barrière qui empêche nous de faire forme par sa convention. Comme si s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'empêchement important. Et d'autre une fois, pour dire Cécile, il facilement, avec son système qu'il peut faire, et moyen nous l'économie y virer, il est important, il est bon qu'il nous joigne sa convention, et il n'y a pas rien qui peut empêcher nous pour joindre sa convention. Et alors, un cabinet memorandum, si il fait, est envoyé côté cabinet, le 18 septembre l'année passée, 2019, cabinet qui donne son approbation sa, pour nous joindre sa convention, mais seulement il est important qui l'Assemblée y ratifie. Et là, aujourd'hui, sa motion est devant nous l'Assemblée pour nous donner l'approbation pour ratifier. Et après ça, son autre step, c'est que le pays y dépose un document, un instrument accession côte World Custom Organization, et là, from there, qui a accepté, n'a pas partie sa convention, et ça est pour bon, pareil nous dit, dans, pour CCL, dans le système commerce, ainsi de suite, et pour l'avenir, côte CCL, il peut y aller, il bon qu'il nous forme pas sa convention. Et encore une fois, avec ça, moi, j'ai dit avec tout le monde, dans notre support, sur les, sa ratification, sa convention, donne support, sa motion qui est devant nous, pour nous aller d'avant avec ça. Merci. Merci, Honorable de Kumamo. Yes, Honorable Ram Kalawan. Mr. Speaker, in fact, now the wording of the motion, the wording of the motion is wrong. C'est celle qui peut ratifier sa convention. Sa convention est finie, est ratifiée depuis 1983. OK? Il y a une vieille convention, ça. Ce qui nous peut faire là, c'est celle qui peut accede to the convention. Parce que sa convention, il ne finit pas en l'effet. Il ne finit pas en l'effet. Tout bonnement, il ne finit pas signé. Non. Merci. Mon, ce qui m'a fait regarder là, il prend l'effet en 88 et c'est celui pas un membre. OK, honorable de commandement, clarification. Monsieur Speaker, motion qui est devant nous, il n'a pas fait demande nous pour ratifier sa convention, pour ratifier comme si sa convention lui-même là-bas, comme si comment il est. Il peut demander nous l'Assemblée pour ratifier qui c'est elle, il vient membre. Et c'est ça, ça qui nous peut demander. Il besoin ratification de l'Assemblée. Il besoin, il pas mal à quoi nous avons ça devant, Monsieur Speaker. Mon fait, mon demande d'autres encore question, pas capable chaque fois quelque chose vient devant nous, l'Assemblée dit OK. Après le temps, il vient devant l'Assemblée, même l'Assemblée dit pas OK. Moi, pas connais lequel qui check ou bonnes affaires, mais seulement, moi, voilà comment nous tombons d'accord sur sa wording. Sa wording, il dit que nous peut demander que l'Assemblée approuve sa résolution pour nous capables de ratifier, pour nous faire part sa convention, pour ratifier si c'est la bataille de la convention. Merci, honorable Kouamo. Yes, honorable Georges. Merci, Mr. Chair. En effet, Mr. Chair, l'honorable Pilek, moi, nous avons gagné une petite discussion là. Et je crois que ça peut translate into the motion. Si il est vrai que ce qui nous peut faire, là, c'est nous peut accéder, nous peut ratifier, juste pour bonnement comprendre,
avec vos permissions, laisse-moi lire des petits la ligne dans un ouvrage qui peut aider nous dans les futurs qui est en préparation là. Ratification is the post-signature process by which a state confirms its adherence to an international agreement signed by its head of state or by an authorized representative. Accession is the act whereby a state accepts the offer or the opportunity to become a party to a treaty already negotiated and signed by other parties. Alors, ça qui nous peut faire là, si je comprends bien, je ne comprends pas ça personnellement, si je comprends bien, c'est qui nous peut accéder. Si nous pouvons accéder, moi va proposer avec l'honorable mover motion qui motion y gagne modifiée to read that this assembly resolves to au lieu ratify authorize the accession of the Republic of Seychelles to the OK. Et puis nous capables votre là. Merci. Merci honorable George, honorable Pile. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, il prend des les autres conventions. Et en effet, là, nous tu peux discuter ça des conventions. Où ça en particulier, that is what the wording that came from Foreign Affairs et ben l'autorité concernée. A lot wording was in relation to accession, which matches the discussion qui nous tigan yannou de honorable George. So there is a reason why zot is up emid la. So, as an abundance of caution, a cause nous pas di ratify the accession to the international convention of ça, then y'a va vins. A cause, I don't know okay. What the honorable foreign affairs. This m'en vient clarification. Est-ce qui c'est celle in sien? We don't know. Mon, l'information que m'a gagné devant moi là, il vient en force le 1er janvier 88 et c'est celle pas un parti là-dedans. Yes, honorable. L'étant sa convention il vient en force. Ça c'est une convention qui depuis d'un parti unique ti là ça. C'est moi honorable de comment mon tient même parti unique li. Même l'Assemblée, People's Assembly. Parti unique, ça l'Assemblée, pas de faire son travail. Ça, People's Assembly, pas de faire son travail pour ratifier ça. Then. À présent, Jotin Bouzé, sa convention est about HS Code. Et HS Code, depuis longtemps, il y a une application. Et là, aujourd'hui, en 2000, pareil, lui-même, il dit, et avec sa meeting qu'ils ont fait, CCLP dit, il y a envie de faire partie de sa convention. So, il peut simplement accéder pour lui, venir même sa convention. Il n'a pas rien pour nous ratifier. Et c'est ça qui, même son Foreign Affairs, moi, je crois, qui Foreign Affairs aussi, tout. Il y en a quelque chose là qui nous manquait. Avant nous montrer aucun point any fingers, mon ai document avec moi qui depuis que là fait dans moi. Okay. Laisse-moi partager cette information avec vous et moi qu'on a capable retirer tout mon doute. Ce document est sorti ici par président Faure le 6 janvier 2020. Son titre Accession to the International Convention on Harmonized Commodity Description and Coding System. Okay, whereas the cabinet has on the 18th of September 2019 approved that the government of Seychelles accede to the International Convention on Harmonized Commodity Description and Coding System. And whereas the accession of this said convention will be of benefit to the Republic, I hereby recommend that to the National Assembly that the National Assembly, pursuant to Article 64.4 of the Constitution, approve the accession to the said convention. So, moi, si c'est vrai qu'on va faire ce slight amendment qui est proposé par honorable George. Yes, honorable, comment est-ce? Yes, honorable, comment est-ce? Mr. Speaker, mon n'a pas de problème avec ça. Mon pour insister, loin quelque chose.
ou l'office, ok, il pas capable à chaque fois qu'il nous envoie un brochure pour gratification, pour accession, pour whatever. Comme si besoin d'un informe. L'autre jour nous discutons ça. Plusieurs fois ou appel nous discutons ça. Écoutez le noir, nous allons voir, please. Écoutez. Continue le noir. Ok. Et Bills Committee, l'autre jour avec l'honorable Bena George, nous causons, nous disons, il y a besoin, non, on va connaître l'Assemblée, li, qui format, qui besoin servir, il y a besoin de quelque chose qui claire tout ça. Il n'est pas capable, nous venir, moment faire motion, et après, motion, il est accepté, à cause si il y a une correction, s'il y a quelque chose pour nous. Pour nous changer là, depuis originally, l'Assemblée besoin de dire. L'Assemblée, il y en a un legal advisor. Il y a aussi besoin de dire, pour dire, look, ça qui vous peut demander, il n'y a pas ça qui peut gagner faire. Alors, il y a besoin de l'harmonisation là. OK? Et pas qu'à chaque fois qu'il nous vient. L'autre jour, même affaire. Moi, je fais un petit bien, puis nous dit changer. Order. Nous besoin. Order. Honorable, comment moyenne la parole, s'il vous plaît. Continue, honorable. OK. So, mon tiens envie, comme si il y en a un format clair. D'accord. Et ça, nous avons proposé l'autre jour dans en bas réforme, l'État nous peut faire amendement dans standing orders, qui ça vient encore plus clair, mais seulement, mon crois, moi, nous pas qu'à continuer comme ça. OK. Merci. Il y en a encore deux. Accession ou ratification qui peut venir et m'a demandé qui ou l'office il regarde dans ça et qui comme si nous avons un way forward clair là. Merci. Merci honorable Kouamo, au point qu'il prend, pourquoi il pas une type pas fait première fois ou ça, mais ça y est un travail qui nos comités qui peut revoir standing orders. Et pendant ce bon format que nous sommes, on va donner la parole au nom de George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, effectivement, dans le rapport qui est Standing Orders Committee, avec l'Assemblée, qui nous peut expecter, aussitôt qu'il nous répond, nous travaille d'une façon normale et qui nous permet et qui nous donne le temps, nous sommes capables. Excuse-moi, Mr. Speaker, n'a pas capable de revoir un peu sa bonne quelque chose. Dans nos rapports et dans standing orders modifiés, il y en a un template qui nous prépare, qui standing orders committee nous prépare, pour ratification et pour accession. Donc, tous les délits là, pour appointer ministre, pour faire tout sa bonne quelque chose, pour approuver tout sa bonne affaire, tout sa bonne template est là, donc, il est plus facile pour suivre, par exemple. Secondly, comment un companion volume avec ça, Standing Orders Committee peut préparer un manual of parliamentary practice and procedure. Et ça qui m'ont fait que les autres, ils sont là-dedans. Et en effet, pendant ce lockdown COVID, là, mon petit travail, le sa document dans la cour, d'une façon qui peut parler bientôt. Et expliquer exactement quand on ratifie, expliquer exactement quand on accède, etc. Et tout bon template pour là. Donc, m'expectais qu'il y ait un temps assez. Assez proche, l'Assemblée va capable de tout ça bon document devant lui pour qu'il n'y ait pas de problème, pas pour Ricker. Merci. Merci, honorable George. Yes, honorable Mkalawan. Mr. Speaker, merci beaucoup pour demander la parole. Moi, mon point qui m'a envie de faire est très simple. Honorable de Koumamon, il acquise ou l'office, il acquise secrétariat. Il même dit on a conseiller légal ainsi de suite. Mon pas content ça parce que un membre lui envoie son motion et ou comment regarder sa motion qui m'a est tombé si il y en a et il finit la même c'est pas ou l'office qui peut faire recherche pour regarder s'il y a ratification, s'il y a accession, ainsi de suite. Il ne faudrait pas, et honorable de commandement, il n'a pas fait la première fois qu'il y a acquis l'office.
Et moi, c'est le sapin qui m'a envie. Il n'a pas rien pour faire avec l'office. C'est lui comme un leader of government business qui besoin, avant qu'il y ait une motion, avant qu'il y ait une motion, regardez si son motion est bien écrit, s'il y a une ratification ou bien une accession. C'est son responsabilité et il n'est pas capable de mettre ça l'eau ou l'office. Ça, mon point est clair là. Parce qu'il s'en sent tout le temps, c'est nous pour nous. Et l'état moment lève sa point. Mon motif est simplement envie, aide, honorable de commandement. Et il faut simplement accepter qu'il peut dire ça qui m'a peut faire, moi peut aider lui. Et non pas pour lui, al blâme ici, al blâme là-bas. Et, Mr. Speaker, moi, va dire, ça, c'est comme on regarde mon nom à moi. Parce qu'il vient même affaire avec New York Convention, qui nous a passé la dernière fois. Nous n'avons pas ratifié, nous n'avons pas accédé, parce que New York Convention, il est déjà en application. So, avec ça, des mots, mon pour dire encore, mon pas content qu'il y ait l'office. Il a acquisé et mon croit qui en tant qu'un leader dans sa l'assemblée honorable devrait simplement accepter qu'il peut dire retire sa accusation qu'il fait low l'office. Merci beaucoup. Merci honorable. Bon, on ne pas rentrer dans le débat mais on va donner honorable de Kouamo droit de réponse. Honorable, Monsieur le Speaker, personne pas acquis de l'office. Il faut le n'est pas que l'honorable Mkalawan il exagère le banc quelque chose. Et je ne suis pas d'accord à la pause qu'on peut prendre. Ça, si. Get ça. OK. Il est important. Les moi envoyé une émotion. Je ne vais pas aller dans les détails. Vous comprenez bien. Si en comparaison à motion, il part. Il pas OK. Mais au besoin, vous pouvez dire avec mon office pour dire tiens bon un coup, ça motion coupé envoyé, il m'a écrit. De toute façon, nous dans ABC, mais dans ABC, pas wa, man di moun dans ABC pas dit moi écoute. Il y en a les autres di moun là, mais personne pas wa. Comme si mon père parle dans un détail moi. Qui m'ont laissé dire ce qui nous tombons d'accord, non, pas question ça, et pas question ça, l'honorable Mkalawan. Moi, qui m'ont précisé avec vous, Monsieur le Speaker, m'ont précisé avec l'Office, avec l'Assemblée, qui template qui l'honorable George, il fait travail là-dedans, qui travaille là-dedans, Reform Committee, qui déjà là, sa template prend, donne, Monsieur le Speaker, il y a donne avec nous avons servi ça toujours. N'a pas servi ça toujours. Vous comprenez? À cause, il n'est pas capable, nous tombons d'accord, qui, à cause d'infini, parce que le test de admissibilité, il est un aïe koto. Vous comprenez? Il n'est pas capable, et puis pour exemple, il n'est pas OK. So, il n'est pas question qu'ils aient, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont pu dire. Vous comprenez? Il y a un travail, mon quoi, Michel, qui a fait, et. S'abandonnement, la cour a fait bon commentaire pas responsable. Mon palais dit sale, le groupe dit sale, sous les dit sale, et bien, on croit, on a raison. On nous dépasse ça, Monsieur le Speaker. Amende, ça qu'ils ont demandé, n'a pas de problème, mais seulement from now on. Moi, insisté à haute voix, mon dire l'Assemblée, from now on. On nous servit, ben template. Si on a un template qui nous paraît, l'honorable Georges prend sa template, talel, et on nous finit là. Ou dans des copies, code speaker, ou dans moins copies, nous servir ça. Je souhaite, from now on, de nous l'assembler, ça échoue, parlez encore. Merci beaucoup, M. Merci, speaker. Merci, honorable de commandement. Bon, moi, le côté secrétariat, je suis capable de dire, à le podium de record, je ne peux prendre aucune parole qui a dit que aucune accusation contre mon bureau bien secrétariat, mais encore il y a un travail qui nous fait aller ensemble en consensus. Définitivement, nous connaissons the review of standing orders, pas pévin comme il a devant l'Assemblée, mais entre-temps, for us to get things right,
mon l'amendement chair standing standing orders committee pour faire le nécessaire. Il y avait pas seulement template avec l'office. Et peut-être à ce moment-là, moi pas connais signe déjà fini cycle ban amendement avec ban membre. Peut-être ça va un moment côte entre temps qui nous peut préparer pour venir passer motion pour discuter ban amendement le standing orders. Dans ce moment-là, qui nous cycle ban propose amendments to the standing orders 2009 to all members qui ban membre a commencé préparer de participer débat qui pour venir de l'assemblée. Chair, Standing Orders Committee. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, si je ne me trompe pas, il y a un long rapport, 40 pages. Oui. Et là-dedans, effectivement, il y en a un template motions dans Schedule 5, mais mon besoin dit un mais là, il y en a une motion for ratification, mais il n'y a pas une motion for accession encore. On va ajouter et on va... As a matter of fact, on va envoyer, Mr. Chair, pour tout le monde pas besoin d'aller dans son rapport, on va envoyer un new Schedule 5 avec template motions. Il y en a une motion for approval of ambassador, high commissioner, il y en a motion for ratification, motion for accession, motion for approval of appointment of minister. Tout ça, là, il y a. Donc, nous allons suivre d'une façon ou bureau avec ça qui est pour LGB aussi. Merci. Bon, nous allons arriver un moment pour nous prendre un vote, la motion qui est devant nous, as amended. OK? Honorable George, est-ce qu'on va remove amendement la motion? The wording. Merci, Mr. Chair. Mon propose avec l'honorable move à motion. In fact, mon propose un amendement oui. Qui m'en a droit à faire. I move that the motion before the House be amended as follows. To delete the words ratify the and insert instead authorize the accession of the Republic of Seychelles to the or better still to insert in place of the word ratify to insert authorize the accession of the Republic of Seychelles to I beg to move, Mr. Chair. Merci, Honorable George. Yes, Honorable Pillet. Mr. Speaker, pendant que ça débat, je vais regarder l'article 64. OK? Now, si vous préférez an accession, you don't need a motion for an accession. You don't need a motion for an accession. You need a motion for ratification. That's what it is. À cause, si nous regardons l'article 64, you have to read article 64. You don't actually need a motion for an accession. Thank you, Mr. Chairman. Avec, Mr. Chair, this is actually a point. In fact, il sorti dans sa manuel qui nous peut préparer. Raison qui est ratification et accession en gagne, malgré qu'il n'y a pas mentionné dans l'article 64.4, c'est pour sa raison suivante. Accession, and this is the Vienna Convention, okay, Articles 215B and 15. Accession is the act whereby a state accepts the offer or the opportunity to become a party to a treaty already negotiated and signed by other states. It has the same legal effect as ratification. Accession usually occurs after the treaty has entered into force. Et mon croix, si nous lisons constitution, pareil, nous devons lire, et non pas focus sur son words, mais focus sur son intent. The intent is que, étant donné qu'il y a une accession, il y en a même l'effet qu'il y a une ratification, malgré que 64.4 dans la constitution, il cause 6 la ratification, il besoin aussi couvrir accession à cause the effect is the same. Et c'est pour sa raison, mon roi, que le président envoie sa lettre coteau.
et qui LGB amène sa motion. Je crois que l'intention de la Constitution, c'est que tout bon international treaties qui gagnent entrer là-dedans, ils gagnent entrer là-dedans avec l'autorisation de l'Assemblée et non pas juste par action head of state. Merci, Mr. Chair. Merci, Honorable George. Yes, Honorable Pile. Mr. Chairman, justement, moi, j'ai envie que l'honorable George vienne de sa point. Ratification, il y en a même l'effet qui ça. Et l'honorable George, je compte bien qu'il peut dire. Et justement, ce qu'il nous fait là, c'est qu'il s'est écouté, il s'est fait gauler les bras pour s'embarrasser un membre. Quand ça, membre, was actually right. There's nothing wrong avec son motion originally. In fact, Mr. Speaker, in fact, si l'opposition, il est moved dans la direction qu'il peut move, then we withdraw the motion. Because we don't need a motion to do an accession. So Saki Honorable Commandment in fair was correct to propose a ratification. Honorable George can say très bien because in what he's just said, it actually proves that, which is ratification has the same effect. Et moi quoi, ça qui devait arriver, c'est l'autre côté qui devait apologiser qu'on aura des commandements pour dire dans l'Assemblée, puis pour l'Assemblée, pas faire son travail. C'est ça comme ça a été. Nous pas à côté, venir faire gros les bras à cause de la majorité et nous pas à cause de faire tatapaz. Juste pour nous faire ça. Honorable Commandant was correct dans la motion because it has the same effect. Si nous pouvons faire accession, Mr. Speaker, je répète, we do not need a motion. So that's why some motion is worded as a ratification. Put down l'Assemblée, which is the people's representative, buying into the process. L'autorisation qui président demande has to come in through the way of a motion de l'Assemblée. Justement, it becomes as if more of a ceremonial effect rather than having an actual legal effect. This is what it has. So pour nous faire sa qualité l'argument qui les autres côtés, l'honorable Georgine pouvait, through his own words, that it has the same effect. So oui. We've spent okay. enough time on this issue, Mr. D'accord, Speaker. I rest the matter. You know, and l'autre côté, they put a shame to try to put a member in a corner. No. Bon, mon permettez un end to this debate, OK? Mon quoi, honorable Georgine fait quelque chose clair. OK, nous capables de servir ratification, nous capables de servir accession. Nous pas capables, nous besoin comprendre l'esprit qui constitution qui ça l'article qui est écrit. OK, et on a besoin de faire quelque chose de clair. Nous capables de prendre si le terme motion est accepté que nous prenons avec envie qui oui est accession mais il est couvert par ça plus gros mot ratification. On a John Warren mon papa prend aucun débat. The debate un moment, je n'ai pas encore fini de causer. La parole est pour moi. OK? All right? Si nous acceptons the wording of the amendment, OK? Nous pouvons move accession pour nous déposer nos bandes que l'Assemblée approuve, demande au gouvernement pour nous accéder tout. Et nous d'accord avec sa wording, then nous allons move to the next step. Quand je vais demander un membre pour seconder. On a besoin de d'accord? OK? Monsieur le Speaker, on n'a pas de problème avec ça. C'est seulement mon dit qu'il a besoin d'harmoniser ça. Comme si vous n'êtes pas capable de dire comme ça, demain, il y a l'autre mot, après-demain, il y a l'autre mot. Oui. Si nous tombons d'accord là, on n'a pas de problème, nous nous pouvons voir là. Merci, honorable. Bon, présent, avant de demander même pour seconde sur l'amendement. Yes, honorable, John Wow. Merci, Monsieur le Speaker. On utilise 10 secondes sans motion que l'honorable George met devant. Merci. Il y a l'amendement to the motion. C'est l'amendement, merci. Merci. Bon, nous pouvons prendre un vote l'amendement qui nous a proposé avant de prendre un vote de la motion itself. Tout le monde qui a fait ça l'amendement? Aucun membre qui compte. OK, Madame députée Clark. Merci, Monsieur le Speaker. 19 membres, ils votent en faveur et personne ne compte. Merci. Merci, Madame députée Clark. Bon, ça veut dire que l'amendement est passé et il est présent pursuant to Article 64.4 of the Constitution. I move that this assembly resolves to authorize the accession of the Republic of Seychelles to the International Convention on the Harmonized Community Description and Coding System. Présent, nous pouvons prendre un vote, la motion. Tout membre qui en faveur.
Aucun membre qui compte. Madame Deputy Clark. Merci. Merci, Monsieur Speaker. 22 membres, ils votent en faveur et personne compte. Merci. Merci, Madame Deputy Clark. Ça veut dire motion une gagne approuvée par l'Assemblée nationale. Bon, avant de nous adjourner, moi, j'ai envie de partager une petite information avec l'Assemblée. Pareil, mon demande ministre, il y en a un bout de législation qui ont. Et nous pouvons regarder quand nous pouvons gagner. Et avec ça, c'est que le secrétariat pour rester en contact avec les délais office, avec mon membre aussi, tout. Si nous gagnons plus tard après-midi, il y en a une possibilité que nous pouvons rencontrer demain bon matin pour nous débattre le sabile et pour nous, pour l'Assemblée, prendre une décision là. Il y en a pour faire avec Central Bank, avec bonne financial institutions. Il y a dans sa maison, bonne maison qui est l'autorité with regards to COVID-19, il y en a un amendement que le gouvernement peut proposer avec Act Central Bank, avec financial institutions. Mais le nous côté secrétariat, en mesure que nous assessons la situation nationale, nous pouvons continuer à écouter et adhérer avec bonne advisors qui sont de l'autorité de la santé. Et le secrétariat va continuer à quitter d'autres postures. Si nous prenons un sitting demain, ou bien sinon. Si non, pour le moment, nous sommes capables de dire que notre next sitting est mardi le 31. Nous descendons un order paper qui ABC a approuvé hier. Il va sortir. Mais encore, n'importe l'information que le secrétariat a gagné, il va partager avec mon membre. Yes, Honorable Mkalawan. Mr. Speaker, est-ce que vous êtes capable de proposer, parce que ça y prend un bill, il prend un, et nous pouvons causer deux bills là. Si ça bon bills y paraît après-midi, juste pour nous capables de gagner un petit temps pour nous faire un peu de travail, pour nous faire nos propres préparations, au lieu qu'il nous. Parce qu'il y a certains membres qui peut-être pas pour. S'il sortit après-midi, différents membres, il y a différents endroits dans la République, au lieu, mettez qui nous joignent demain, on nous plutôt donne un jour et on va plutôt joindre vendredi, qui comme si on va capable de faire un travail plus complet. Et même pour nous regarder qui décret ils ont, si besoin, passe avant la fin de la semaine, ou bien si il est capable. Il est capable, semaine pour semaine, qui va donner nous plus le temps encore pour nous préparer nous là, et qui lundi, nous sommes capables de prendre lit. Parce que mon père regarde, mon quoi pas, si vous avez travaillé un bill là, qui comme vous avez besoin de lit, là pour là. Quelquefois, vous avez besoin de lit, semaine pour semaine, qui comme vous avez dit, comme si nous aussi, nous sommes capables de planifier nous les corps. Parce que dans milliers de sa situation, nous tous besoin planifier nous les corps et il y en a beaucoup nous là nous nos enfants en bas 15 ans qui comme si nous sommes capables de les balancer pas merci. Demain mais vendredi ou bien lundi. Merci honorable. Bon, décision qui est bise tu prends semaine passée, c'est que dans un moment l'isance l'assemblée pour rencontrer. OK? Et il y en a une annonce que l'autorité finit fait. Il peut prendre les faits, il vient parler ban essai, l'autorité a annoncé ban essai lendemain, il vient en vigueur. Nous pour regarder, nous pour continuer à rester en contact avec le bureau ministre, et nous va regarder qu'il y a et après nous va informer le membre. Honorable Ferrari. Merci, M. le Speaker. En support avec ce qui est leader de l'opposition, il dit, je crois que vendredi, pas pour mal, si nous avons fixé là, qu'il nous rencontre vendredi, à cause
il y en a aussi un sens qui nous gagne premier draft, sa nouveau budget, qui nous capable des affaires first reading et nous capable at least comment ce travail de là le week-end à cause nous envie assez vitement le quelque chose. Nous pas envie quand il dit que nous paye drag, que nous libie ou bien que nous paye ni jerk. Alors si nous tisons vendredi, at least il y a va mettre un petit pression le ministère des finances pour que décide dans la journée vendredi de pas capable déjà donne nous sa nouveau man nouveau figure ce qu'il peut proposer et nous n'avons il est temps rencontrer ban stakeholders et discuter là et travailler là le week-end. Ça est mon proposition. Merci honorable Ferrari. Bon, mon pas capable mettre un meeting of the assembly vendredi si nous n'avons pas travail pour nous faire. C'est sans raison que mon petit pendant la journée aujourd'hui nous pour rester en contact secrétariat pour rester en contact avec bureau ministre et si nous gagnons quelque chose, then nous avons informé. OK? Et si pendant raison pour nous rencontrer, par exemple, nous pouvons considérer this sa bill, que le ministre Pierre in nous et bon matin, check nous, qui n'est pas vraiment contre son status right now. OK? That will be the only business si nous pouvons meet vendredi. Mais le secrétariat va keep you posted. OK? Si avec ça, si n'a pas aucun. Yes, honorable Calahon? Mr. Speaker, parce qu'en même temps aussi, nous ne pouvons pas gagner clair concernant sa financial, si pour un budget, si pour un bill, si pour ça. Parce qu'il y en a un autre élément là. Parce que si papa vient comment un budget pareil, si nous lisons nos constitutions, nous allons pour l'année 2020, then il peut besoin d'une motion. Il peut besoin d'une motion sortie côté honorable de commandement pour approuver ça et ça dans les mêmes lits ils pourront mener l'autre débat cause finalement c'est on a de commandement qui pouvait faire travail ministère finance et ça aussi tout comme si dans un pays regarde toi ben quelque chose qui devant nous le nous côté dans l'assemblée et moment satisfait qui pour dire le nous côté nous peut regarde tout ça ben toi ben quelque chose dans son légalité et peut-être l'autre côté, le côté gouvernement, le ministre n'est pas ni si connaît qui m'a dit pour être. L'autre côté, quelquefois, le papé regarde quelque chose dans son légalité. Et alors, je suis d'accord avec vous qui nous pas capable de faire un meeting si nous n'avons rien devant nous. Mais seulement, ça va bon si, en mesure que nous mettons les corps à disposition pour nous faire travail. Et pas à cause de ça, qui comme si le gouvernement, lui, il prend son temps, il drague son pied, et après ça, la poule, elle exige avec nous, venir, nous, tout nous besoin, n'existe pas, il quitte tout quelque chose. Nous pouvons dire au gouvernement, coopérer avec nous, et nous aussi, tout n'avons pas coopéré, et nous avons bougé. Parce que le président de la République, il dit dans son discours, il implore l'Assemblée pour ne pas s'habiter le 31 mars. B. Donne-nous quelque chose, nous avons commencé à manger l'eau là, pour nous l'étant nous venir à cause. Ça bonne affaire là, hein? Et là, mon besoin de dire ça, ça bonne affaire là, hein? Qui m'a dit, nous pour scrutiniser ça bonne deal, pour nous faire ici, qui, dans un moment, l'argent pas disparu. Donc, so, moi, je vais mettre ça bien clair, pour que l'étant nous puisse faire ça scrutiner, nous pas gagner dire qui peut dire nous peut tendre nos pieds. Merci beaucoup, Mr. Speaker. Merci, honorable Calahon. Yes, honorable Pile. Merci, Mr. Speaker. Pour suivre from ce qui nous a discuté dans ABC, le premier point, qui concerne l'amendement, le Central Bank, si nous rappelons, pendant le débat ministre, il fait référence avec des points, 180 jours qui existent dans la loi et 3 mois, changement qui pour minime, basé sur ce qui ministre peut dire. En ce qui concerne ce qui est Abraham Calahon, si nous regardons les ramifications légales, tout le monde peut considérer ça. Par exemple, les autres peuvent proposer faire un fonds dans le Public Finance Management Act, ils ne sont pas capables de faire, ils ne sont pas existés. Les autres peuvent regarder le Public Finance Management Act 96, qui a été amendé en 2012. Dans le nouveau Public Finance Management Act, ils ne peuvent pas créer un nouveau fonds. Donc, ils existent amendé un fonds qui déjà existait en bas de la loi. C'est ça que tu peux proposer, ils tombent. Par exemple, le gouvernement là, pour venir avec son amendement. Il n'est pas nécessairement venir dire comment il supplémentaire à cause pour besoin d'amende à la base section 90, l'article 90 de la Constitution.
So, il prend un travail, il y en a toutes les considérations légales qui peuvent être faites. Là, il dit l'autre côté. Donc, il faut comprendre que l'Assemblée entière, en général, nous peut regarder ça, avec les autres, avec les nous, nous peut regarder toutes les ramifications légales pour faire que, a priori, ça bidze, il besoin rester le consolidated fund as part of the budget bill, et non pas sortir as an extension. Là, il sortit as an extension qui ou gagne qui en a pas les autres choses. So, c'est ça que le ministère financier besoin faire un travail qui bien, un travail qui clair. Pour qu'il fait si qu'il est nous quand ça son constitution légale ça bidze, il fait qu'il prend un scrutiny qui capable gagne faire le bidze par ban les institutions justement mon pas servi FPSC si rester le ban le statut légal ministère finance et gouvernement. So, c'est ça travail qui peut gagne faire ministère. Merci honorable. Bon, on a des quelque chose devant nous faire de nous pas bouiller les dés. OK? Ça qui pour venir et si venir nous gagnons avant la fin de la journée, c'est un amendement to the CBS Act, OK? And Financial Institutions Act, OK? Ça, si vous venez à la fin de la journée, nous pourrons garder son licence et si nous vous invitons vendredi. Et d'abord, quand, pareil, l'Assemblée nationale est capable de mettre n'importe où, même nous pouvons mettre samedi ou bien dimanche, OK? D'abord, quand, de bonne situation pareille. Mais ça qui concerne ça, c'est que le gouvernement, il est qui vient devant l'Assemblée le 31, il y a une quantité de travail qui est fait. Et même nous, c'est l'Assemblée aussi tout, qui est tout. Nous, des gens averti qui sont les areas qui financent et marquent pour les cuts. Et nous aussi, nous faisons un petit travail là. C'est sans raison. Si nous, nous gagnons ça, nous gagnons 10 pour 10 pendant plusieurs départements, plusieurs budgets dans le budget de l'Assemblée, quand il peut gagner, couper, tout le ministère, le département peut passer par nous. So, il peut prendre un peu de temps pour savoir le ministère aussi, tout, donner feedback au ministère des Finances. C'est ça la raison qui, même over the weekend, moi, je peux causer avec SS Payet, je ne suis pas encore vraiment paré, malgré sa licence et une deadline devant les autres. Je souhaite que Paris, ministre, dit bon matin, at least par vendredi, matin, nous sommes capables de gagner une idée et ben les formations, ben les figures, ils capables commencer à disséminer parmi ben membres de l'Assemblée. Ok? Mais en même temps, hier les honorables membres de la Constitution ont attention à la Constitution. Constitution pas fait provision pour un revised budget. Il fait provision pour un budget ou bien supplémentaire. Sur ça encore, il y a un dilemme que nous pouvons regarder des legal aspects. Yes, honorable Pile. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, l'article 90 qui effectivement donne provision pour faire l'amendement avec budget bill lui-même. Budget y a un bill, il y a un appropriation bill. Et the only way pour sans un bill, c'est pas un autre bill. Ça qui pour besoin qu'il fait probablement c'est un head il besoin qu'il introduit en bas ça nouveau sa bill qui pour sens li l'effet qui ou pas peut supplement de budget mais ou peut si reduce sa ban head si besoin qu'il reduce by a law. So c'est ça qui pour faire qui ou risque en dans l'exercice qui gagne fait. C'est pour ça raison qui m'ont dit dans mon intervention we are also on this side peut considérer toute bonne ramification légale pour faire qui whatever là en gain budgeté. Il n'y a pas de déposer dans un fonds et qu'un bord dans des hauts là-bas qui n'est pas capable vraiment de voir, mais qui vient d'une façon qui reste within the appropriation bill itself. À cause, as it stands, no appropriation bill 2020, il y a encore valide et l'amendement est still qu'il a fait à travers un bill qui a été amendé. So, a bill to amend the appropriation bill it exists. It's not necessarily only a supplementation qui peut venir, à cause qu'il y a un realignment of budget heads là-dedans as well. Okay. Et c'est sa ramification légale. D'accord. On ne peut pas rentrer dans ce débat légal. Nous connaissons l'édition officielle aussi qui peut faire certains travail. OK? On nous attend. Nous allons voir pendant la journée, pendant ça des jours. Et après ça, l'Assemblée va prendre décision quand nous permet pour nous capables de faire un travail. OK? So, secrétariat va rester en contact avec les de l'office, avec mon membre, et n'a pas informé aucun nouveau développement. Pour le moment, nous ne sommes pas capables de dire si nous pouvons citer demain ou bien vendredi, mais
nous avons informé tout. OK? So, l'Assemblée adjourne jusqu'à prochaine notice from the Secretariat quand nous pouvons meet.